On a parlé quoi là, retourner par les courants, par l'énergie, avec travail et DH à faire, on me dit sorti ni la voie arrivée d'Elma, là monsieur Damu a passé et câble en bataille. Et il a pu divorcer avec méthode traditionnelle, ça va l'aider à améliorer la capacité, ça va l'aider tout à améliorer la qualité de service, ça, selon précision et responsabilité de l'HO. Ça t'a attiré l'attention de nous, puisque c'est un volet un peu plus important pour l'administration président Jovenel Moïse. Là, pour l'équipe TNH qui te parle avec responsable, qui va expliquer nous qui importance travail ça a gagné, pour qui ça a fait, à quel niveau il est, et qui le travail a pu arriver et dans le bout de lui. Tout ça, plus encore, avec collaborateur nous, Wilson. Idori. Donc les fins vieux, les pas gagné toute capacité là encore. Donc pour nous capable de transporter courant bien, nous avons besoin de réhabiliter les lignes là. C'est dans ce sens ça, le ministère des Travaux publics utilise un financement que Banque Interaméricaine de Développement BID avec Fonds de Reconstruction d'Haïti FRH te fait l'État haïtien pour le capable de réhabiliter les lignes là via Électricité d'Haïti EDH. Le travail ça est constitué en deux parties. Nous avons réhabilité les lignes sorties Péligre, Rivelli, La Voie, dans le pilote 152 en aérien, lui-même l'a prêté en aérien. Mais dans la partie aérienne, nous avons bout de préfet, c'est ça qui traverse Ville-Mirbalet. Comme les normalement, il y a trois mounambal pour protéger Mounio, nous faisons contournement Mirbalet, nous faisons déviation pour nous capables d'éviter Ville. Parce que le bout de ligne qui passe dans la ville, dans la pleuville. Donc nous faisons déviation pour nous capables d'éviter. Rivé Port-au-Prince, pour même raison, yo, entre la voie Adelma 33, l'île li traversé en pile caille. Donc pour protéger Mounio tout, nous avons fait partie ça en souterrain. Donc sorti l'île la voie arrivé Port-au-Prince, nous avons passé Kabio en bataille. Actuellement, le travail là, nous capable de dire à environ 75% réalisé. Et pour les aériens, il y a un beau parti qui fin fait déjà. Pour les souterraines, tout normalement, le câble là passe dans le fourreau, en bataille. Fouille avec tout fourreau yo censé pose fourreau fini déjà et yo commencé déroulage cabio sorti dans pilon 152 et yo presque arrivé dans poste tabac côté nous là yo arrivé normalement dans chambre de jonction J5 côté nous qui après route tabac là yo censé arriver là et yo rete pour sorti là pour aller dans dispatching qui lui-même Delma 33 donc en gros c'est là travail yo en détail Jean-Well dans travail là il y a des chambres de jonction. Et chambre de jonction, ça y est, si vous avez un problème, ou normalement, après l'ouvrir chambre de jonction, vous êtes capable de tirer le câble qui a un problème, vous remplacer le pour l'autre normalement entre deux extrémités. Ça fait longtemps que nous n'avons pas toute puissance pélicule disponible. Actuellement, nous avons toute puissance qui est 54 MW disponible. L'Inland, à l'état neuf, a permis de transporter le plus bien, a moins de pertes sur l'Inland, parce que plus que l'Inland vieux, c'est plus que les gains pertes. Donc, nous avons moins de pertes sur l'Inland. Parce que transporter un courant qui est plus fiable et n'a pas capable de transporter toutes 54 MW là normalement. Pour la population, c'est que nous avons demandé d'abord de prendre patience parce que nous, surtout à travers ce terrain, nous avons créé un peu de problème quelque côté, un peu de problème de circulation. Jean-Well, il y a une chambre de jonction qui ouvre. Donc, côté chambre de jonction ouvrant, nous avons normalement des problèmes pour circuler. Nous avons demandé de patience. Et tout, nous avons demandé pour que côté ligne passée, pour ne pas continuer à construire, et surtout sur la ligne souterraine, et ni en bas ligne aérienne. Parce que là, c'est pas une construction, ça ne va pas obliger de faire une ligne souterraine.
c'est le travail qu'a fait pour question énergie, pour permettre courant de rétablir tout bon vrai, permettre que Mounio ait accès à courant. Et nous souhaitons des explications. Il y a un responsable du travail SAIO qui a pu avancer. Les gens ont souligné là, et il a passé câble de l'Île-la-Voie jusqu'à Delma 33. Il a pu se divorcer avec pratique traditionnelle là, au niveau électricité. Là, il bien, je dis, il y a un ACA qui là, qui a pu bah, le temps dans ce secteur ça. Et nous songeons toutes dispositions qui prend pour permettre que les zones qui sont très reculées de Vigno gagnent et énergie par eux. Et là, et très certainement, dans le jour Cap Vigno, nous allons faire le point avec Evenson Calixte, responsable de la CA, pour nous garder dans quel niveau il est, qui s'est créé pour faire, pour faciliter le courant établi, tout bon vrai, en dans un pays.